Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Gamekult. On est le 17 avril 2020, je suis avec Valentin, on est à distance. Comment ça va? Ça va très très bien, Gauthier. Et toi? Bah écoute, j'enchaîne les duplex actuellement sur le GK Live, donc je suis plutôt content. On va vous montrer ce soir en GK Live Industries of Titan. Industries of Titan, vous avez peut-être déjà lu la preview de Nodus sur le sujet. Industries of Titan, c'est donc un city builder disponible en accès anticipé sur Epic Game Store pour l'instant, c'est bien ça? Exactement, sans faute pour l'instant. Très bien, et qui donc a la particularité d'être développé par une équipe qu'on n'attendait pas forcément là-dessus jusqu'ici, parce que vous les connaissez principalement, Brace Yourself Games, pour Crypt of the Necrodancer. Eh oui, comme quoi tout est possible. Ça veut dire aussi qu'on va jouer à un city builder avec de la musique faite par Danny Baranowski, ce qui est un beau moment quand même, je pense, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu de la musique par Danny Baranowski, qui pour rappel a été compositeur entre autres sur Super Meat Boy, mais aussi sur la première version de The Binding of Isaac. Et en fait, Nodus a déjà joué, et moi pas, et c'est moi qui vais jouer là pendant que lui, depuis sa tour de VR, va pouvoir un petit peu commenter et répondre à vos questions, car il a accès au chat. N'hésitez pas à mentionner @GameCultLive si vous avez des questions. Vous avez également Sir Karma, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, Cadence of Hyrule aussi, effectivement, c'est peut-être le plus connu, effectivement, le plus mainstream, on peut le dire, avec Brace Yourself Games. On est parti, on passe dans le deuxième setup. Sachant que c'est très rigolo, Nodus, comme tu pourras le voir, parce que moi je regarde à gauche, toi tu regardes. Enfin, moi je regarde d'un côté, toi tu regardes de l'autre, du coup on a l'impression qu'on est vraiment pas. Je vais essayer de faire un truc, je vais essayer de bouger ça. Oh, c'est pas nécessaire, non, t'emmerdes pas. Afin de regarder. Attention. Alors, @GameCultLive, pour rappel, si vous avez des questions. Et donc, select standard, on part en mode normal. Pour l'instant, il n'y a pas de version anglaise. De version française, tu veux dire? Oui, bon. C'est la fin de semaine. Non, il y a, alors de ce que j'en ai vu, il n'y a pas de version française pour l'instant. Donc faut jouer en anglais. Ouais. J'imagine qu'une VF est prévue, mais je ne m'avancerai pas définitivement sur la question. Mais comme les développeurs sont basés à Vancouver, peut-être qu'il y a des francophones dans. Bah, il y a en fait fatalement des francophones dans l'équipe et peut-être qu'on verra une version française, j'imagine. Donc là tu choisis ton mode de jeu, tu choisis... Là je vais baptiser ma corporation, en gros je suis parti vraiment voilà. sur la base de base, j'ai tout pris en mode défaut en fait. Ouais tout à fait, bah, t'as très bien fait, donc comme ça t'auras le didacticiel du début de jeu, t'auras les paramètres de base, tu peux régler globalement en début de partie tout ce qui est apparition des minerais et des isotopes qui sont les deux ressources de base du jeu. Tu peux régler un petit peu le layout, donc la disposition de ton... De ta colonie sur Titan. Oui. Puisqu'effectivement, c'est un city builder comme on le voit là qui va se passer sur Titan, qui est le plus gros satellite naturel de Saturne. Mm-hmm. Et accessoirement, une lune sur laquelle il fait très froid. Et oui. Il fait très très froid. Et il y a une petite intro. On va la laisser faire. Allez. Alors Sir Kama qui est sur le chat et non seulement fait partie de l'équipe, mais vous avez peut-être déjà découvert son style graphique puisqu'il est directeur artistique. Sir Kama, tu m'arrêteras si je me trompe. Il fait notamment des dioramas en isométrie, de très très beaux dioramas que vous n'avez pas pu rater si vous traînez sur Twitter et que vous vous intéressez à ce que font des gens en termes de design. Mais vous en avez forcément vu passer. Alors Nodus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Effectivement, on reconnaît directement Danny Baranowski. Hein. Je vois des gens dans le chat qui font la remarque. Il y a vraiment la touche Baranowski dans la musique. Là, t'arrives sur Titan. Bienvenue. Ce qui est au milieu de ton écran, là, c'est le headquarters. Donc c'est ton QG, en fait, ton quartier général. Ouais. Le gros bâtiment blanc sur la droite, c'est le conseil, en fait, le council, avec qui tu pourras négocier pour, par exemple, un peu plus tard dans le jeu, récupérer des ressources ou leur envoyer des artefacts pour échanger ça contre des autres ressources. D'accord. Et dans le fond, là-bas, c'est ton spatioport qui lui va servir à accueillir des citoyens et des vaisseaux, en fait, soit de fret ou des vaisseaux de tourisme, enfin des vaisseaux de transport d'humains. Ok, très bien. Les humains sont une ressource. Alors, une seconde, j'ai un petit souci, oui. Je suis pas satisfait de la manière dont s'affiche le jeu pour les viewers. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai un petit souci de. Bah alors.
Alors tu dois pouvoir dans les paramètres du jeu aussi régler le pourcentage de l'interface qui peut être... C'est vraiment lié à OBS, on va regarder ça tout de suite. J'ai l'impression que j'ai 1280 par 720. Non, bah non, je pense pas, non. C'était pas ça que je voulais. Pour l'instant, merci à EquiBKC pour son abonnement. Ah ben zut alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'affichage? Bon ben on va l'étirer un peu à la sauvage. N'est pas fier hein, mais bon. Non, il y a un truc que j'ai raté quelque part. Bref, continuons. Tu disais, donc là, tu as accès à ta premier bâtiment de ta colonie. Et tu peux, en cliquant sur ton headquarters, accéder via le bouton entrée à l'intérieur du bâtiment. Et c'est là qu'on va voir justement la première, l'une des premières nouveautés intéressantes, caractéristique intéressante de Industries Adapted Town, c'est qu'on peut construire dans certains bâtiments à l'intérieur et disposer en fait différents modules, ils appellent ça les devices en anglais. Donc ça peut être des générateurs de carburant, des générateurs d'énergie, des pods d'habitation pour accueillir les habitants, ce genre de choses que tu pourras construire à l'intérieur des bâtiments, donc là uniquement ton QG, et un peu plus tard dans des usines que tu pourras ensuite même mélanger, tu pourras combiner deux bâtiments pour en faire un super. D'accord, ouais, plusieurs étages, etc. Donc il y a une vision micro, une vision macro. Il y a une vision macro et une vision micro clairement définie d'entrée de jeu, et tu verras après, donc là tu as le tuto qui t'explique un petit peu quoi faire. Et il y a des interconnexions assez intéressantes qui se font entre justement la micro et la macro, puisque l'énergie par exemple que tu vas pouvoir générer dans un bâtiment pourra être via des relais extraite du bâtiment, et tu pourras alimenter en fait tes rues et tes autres bâtiments. Alors on parle de ruines. Alors tout à fait, donc les ruines en fait sont ces gros monolithes noirs que tu vois autour de ton QG, il faut les analyser. D'accord. Tu peux donc, avec le bouton survey, tu peux analyser ce qu'il y a dedans, ça peut être soit des minerais, donc des ressources, ou des artefacts. Là je te conseille plutôt en début de partie de prendre les ressources, ce qui te servira, enfin garde quand même un ou deux artefacts si t'en as, mais prends majoritairement des ressources qui te serviront à construire des bâtiments. D'accord, donc pour l'instant effectivement des ressources. Alors donc on va faire de la récup de ressources. Oh là, les effets d'orage, c'est sublime. Ouais. Et on fait pas de la flagornerie parce que Sir Karma est sur le chat. Hein. C'est vraiment, ça fait longtemps qu'on a envie de le voir en action ce jeu. Enfin moi en l'occurrence. Oui, tu peux aussi miner les ruines à l'aveugle. Tout à fait, tu peux directement les extraire avec le bouton extraire. Donc là, tu vois tes petits habitants, enfin tes petits employés qui commencent à charbonner. Donc ils t'analysent la truc en vert. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que donc là, tu commences avec 5 employés et un peu plus tard, tu vas recevoir dans ta ville des citoyens. Ces citoyens devront être transformés en employés. C'est un jeu qui se veut assez cynique dans son traitement de l'industrie et du capitalisme. Mm-hmm. Par exemple, les citoyens, pour générer de l'argent, comme ils n'ont pas de métier, ils sont pas employés, et ben on les fout devant un écran, donc vraiment une télé, dans laquelle on diffuse des publicités, et eux ils sont debout toute la journée devant un écran qui diffuse des pubs. Et ça D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec toutes ces ressources? Alors bah là, il faut que tu... Alors déjà la première chose, dans ton QG, tu dois avoir un espace de stockage. S'il est plein, je t'invite à en construire un autre. Au moins, ils pourront stocker un petit peu comme dans un Dwarf Fortress ou dans n'importe quel jeu de stratégie, en fait, jeu de gestion. Ouais. Tu dois stocker ces ressources-là. D'accord. Donc, tu dois avoir un espace de stockage. Et voilà, il est logistique. Rempli. Ouais. Et là, il est rempli, du coup. Il est backed up, du coup. Ok, j'en mets un deuxième. Dans la colonne de gauche, tu en trouves un. C'est bon, donc c'est fait. Storage container. Voilà. Très bien. Okay. Après ça, donc tu vas pouvoir. Donc eux, ils sortent du bâtiment. On les voit de l'autre côté. Ben voilà, faire leur boulot. Ok, très bien. Tout à fait. Ouais. Tu les vois faire leur boulot. Et en fait, tu les vois prendre chacun des blocs de ressources qu'il faut amener pour, par exemple, construire un bâtiment. Donc okay. Là, tu peux continuer à extraire un petit peu les ruines environnantes qu'il y a autour. Ouais. Et assez rapidement, tu vas devoir aller dans production et commencer à faire une usine, parce que l'usine te permet beaucoup plus de liberté en termes de construction, parce qu'il y a un grand espace, contrairement au QG qui est assez étriqué. D'accord, ah bah vas-y, c'est parti pour une usine. Est-ce que tu as suffisamment de ressources? Oui, il manquait un isotope et je l'ai trouvé, enfin je crois qu'il y avait, non, il va falloir que je... Alors surveying, les surveys du coup, je pense que je dois avoir une force de travail et je peux pas non plus la dispatcher partout, non? Alors tu peux en haut à gauche dans les employés, donc t'as 5 sur 5, ouais. tu peux voir ce qu'ils font, lesquels ont un emploi à temps partiel et lesquels ont un emploi à temps plein.
et tu peux réorganiser les tâches un petit peu exactement comme dans un, par exemple, un Oxygenation Cleared ou dans un Rimworld. Ouais, tu peux on a perdu l'image du jeu. C'est ouais. Pourquoi tu me fais ça, jeu? Parce que ta souris est allée en dehors de... Non. A priori, il y a des soucis avec OBS sur le jeu pour l'instant. Alors, c'est pas grave. On va refaire un rajout. Heureusement que j'avais l'œil dessus, le vilain. De toute façon, je l'ai rendu aussi, c'est juste que je l'ai mis un petit peu. On va partir sur une capture de fenêtre, je pense que ça va être beaucoup plus stable. Il y a des jeux qui n'aiment pas ça. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Allez hop. Ne touchez pas à votre téléviseur. Et donc là, voilà, tu peux prioriser et réorganiser les tâches exactement comme dans un Oxygen par exemple. Ce qui va s'avérer assez utile rapidement. Ah, c'est beau, tu vas là, les petites grues là. Les animes sont folles et en plus elles look parfaitement avec ce qui se passe à l'écran. Donc non, vraiment gros taf sur les animes que j'avais salué aussi dans la preview. Tu peux accélérer et ralentir le temps à ta convenance. Ok, ouais. Bah, d'ailleurs j'ai voilà shift. Ça se fait avec shift et les chiffres. Donc voilà, maintenant on a une belle usine toute neuve. Oh, on voudrait vraiment zoomer plus dessus. Hein. Ouais, il y a un côté très gourmand. Ok, en fait, alors. Ta petite usine qui va bientôt être. Où elle l'est déjà. Tu dois pouvoir rentrer dedans et constater, une fois qu'elle sera construite, que l'espace de construction est beaucoup plus grand que sur un QG. Tu vois. Ça va te permettre de commencer à générer de l'énergie, du carburant, etc., etc. D'accord, donc là dans cette usine, moi je peux commencer à mettre des générateurs d'énergie. Tout à fait. Un générateur d'énergie va te demander du carburant, donc pense aussi à mettre un générateur de carburant avant. Ah, un fuel fabricator. Ah, j'aime beaucoup l'idée d'en faire un petit Tetris en micro. Ouais. Et en fait, le fuel fabricator, il va construire fabriquer en fait du carburant à partir de l'air toxique, donc de les trucs chimiques, voilà, on dira les trucs toxiques qu'il y a dans l'air, il va en faire du carburant. Ok. Ah, c'est du voxel au final. Je trouve ça génial parce que en fait, j'ai presque pas capté que c'en était. Mais oui, du coup, ça reste du voxel. Voilà, donc tu les vois commencer à s'activer et à pomper. Ouais. Pour te générer de l'énergie. Donc là, tu peux commencer à placer quelques petits modules. Et le tuto, je sais pas si il te l'a dit ou pas, mais tu dois aussi commencer à pouvoir placer des habitations, des relais. Alors, les habitations, ça va être un peu plus tard. D'accord. D'abord, je te conseille plutôt de mettre un industrial outlet. Qui est un bâtiment ? Non, qui est un module dans la factory. Industrial outlet ici, très bien. Ok. C'est ce qui va te permettre d'exporter l'énergie qui est produite dans un bâtiment à l'extérieur. D'accord. Donc là, il s'est accolé au bâtiment ? Pas forcément, tu peux moi je le mettais collé au générateur de d'énergie. Ouais, bah là du coup en fait il est pas alimenté. Alors, parce qu'il est pas. Ça c'est normal, il te faut un énergie relais aussi. Ah. Donc qui est un module pareil. D'accord. Ah qui va OK. Qui va dispatcher ça. Qui va englober le voilà. Très bien. Après ça donc ça va tu vas pouvoir constater que tu génères de l'énergie, etc. Et donc là t'as ton petit pylône. Tiens, il s'est fait plaisir d'Annie B, là. Et dehors, dans ta ville, tu vas pouvoir construire un énergie pylône ou énergie relais, je sais plus comment ça s'appelle. Pour ça, il te faut des crédits, donc on va essayer de t'en générer un petit peu aussi. Alors, dans production ou énergie, tu dois avoir énergie pylône ou énergie relais. C'est parti, on y retourne. Alors, production énergie pylône. Ah non, c'est dans les gros bâtiments, dans les bâtiments macro. Ah, désolé. Ah oui, bah je suis désolé. Je... Non, mais pas power. De energy pylone, ok. Je l'ai. Et donc ça, en fait, tu vas pouvoir le mettre un petit peu plus loin que ton headquarters, tout en restant dans la zone. Ouais. Et ce qui te permettra d'alimenter, par exemple, un truc qui va se révéler très utile rapidement, un incinérateur. Puisque tout ce que tu fais dans le jeu va générer des déchets. Mm-hmm. Les employés en travaillant génèrent des déchets, les citoyens en habitant génèrent des déchets. Et tous ces déchets-là, ben, il n'y a nulle part où les mettre sur Titan, donc il faut les brûler. D'accord. Et il va falloir que tu fasses un incinérateur. Pour générer des crédits,
Alors, c'est vrai qu'on peut faire un petit tour un petit peu de ce qu'on a là. Donc on a un onglet avec les crédits, un onglet avec les ressources, minéraux, isotopes et donc les déchets. Qui sont là en fait, voilà, qui sont disposés tous les trois. Ouais. Très bien. Là t'as ton petit pylône qui commence à s'animer. Ah, il est mignon comme tout. Ok, très bien. lui s'occupe en fait hein, de dispatcher l'énergie dans tous les bâtiments, c'est ça? Voilà, il est connecté au réseau électrique de ton usine, donc il va dispatcher l'énergie tout là. Okay. Tout ce qui est tout là. Par contre, il ne génère pas d'énergie, c'est pas un générateur, il s'occupe juste de relayer, c'est un middleman. Très bien, très bien. Alors, pour générer des crédits, donc là, tu remarques que tes 5 employés en haut à gauche, ils sont affairés à faire des choses, donc ils peuvent ramasser les ressources, les transporter, etc. Mm-hmm. Pour générer du blé, ce que tu vas devoir faire, c'est... créer dans tes bâtiments, dans ton usine par exemple, ce qu'on appelle des monetization stations. Ok. Ah, la monétisation, ça y est, on y vient. Voilà. Donc en produisant des vidéos YouTube de 10 minutes et 1 seconde, tu vas pouvoir générer là. Ah, il est fort. Il me faut plus de minéraux et du coup, il faut que j'aille en miner au... Il faut que tu ailles en scavenge autour. Ok, ça marche. Après, tu peux aussi, donc là, t'es au début du jeu, donc tu ne peux pas encore en faire. Les nodes sont disposées un peu plus loin, mais tu peux trouver des nodes de ressources. Donc là, t'as des champs de ressources, les champs de minerais. Mais il y a aussi des nodes sur lesquels tu peux placer une mine, et là, ça te fait un flux tendu de ressources, donc t'auras plus besoin d'aller exploiter les champs, etc. Ok. Je vais faire un petit tour du chat. Donc ça, je vais pouvoir récupérer. Ah, je peux pas salvage parce que je suis en dehors de ma zone. Quel idiot. C'est pas grave. Alors, il faut que tu claim. En fait, il faut que tu claim. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un système de claim, effectivement. Et où il faut. C'est voilà. Tout simple. Tu génères de l'influence constamment dans le jeu. Et cette influence te permet de recevoir des vaisseaux. Ça, on verra dans quelques minutes. Mais aussi de claim des. En fait, il y avait une approche très jeu de plateau. C'est un truc que j'avais souligné dans ma preview et j'aime beaucoup. C'est vraiment du case par case et des cases très grosses. C'est vraiment comme une grille de jeu de plateau. Mm-hmm. Et tu dois étendre ton influence au-delà de la zone de base. Donc là, il y a du claim. Et donc, je peux effectivement... Alors, où est-ce qu'on est? Alors, est-ce que tu as récupéré, mon bon Gauthier, des artefacts? Pas encore. Nullement. Je t'invite à en récupérer puisque ça te permettra d'ouvrir ton spatioport. Ah, mais alors, mais bien sûr, avec plaisir. Je crois que c'est un don de 2 artefacts de mémoire qu'il faut faire et tu pourras commencer à accueillir des gens. Et tout le monde aime les gens. Tout le monde aime les gens. Écoute, je vais me mettre là, voilà. très bien, et on va donc effectivement récupérer des... Ah oui, j'étais en pause, évidemment, le vieux réflexe. Ouais, il y a une pause active hein, qui te permet de gérer tes trucs tranquillement. Donc quand tu salvages, c'est soit l'un, soit l'autre en l'occurrence. Voilà. Voilà. Après, il y a parfois où il y a des fois où il n'y a pas d'artefact du tout et tu peux juste extraire les minerais. Mmh. Donc là, il te faut 2 artefacts. En jeu, pour l'instant, il n'y a que des artefacts rouges. Mais l'interface nous dit qu'il y en a également des bleus et des jaunes ou des verts, je sais plus. Oui. Mais ça, pour l'instant, on ne sait pas à quoi ils servent, mais ils serviront plus tard. Il y a plein de choses en fait qui sont sur la roadmap. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment une démo qui montre les bases du jeu, du système de construction et de la génération de ressources. Et après, il y a tout un tas de paramètres qu'il faudra prendre en compte à terme, le transport des ressources, alors, les routes. Un artefact pour le moment, on va aller chercher l'autre. Je te laisse récupérer tes petits artefacts. Yes. Tranquille et main. Voilà. Non. Il y avait écrit destroy et bon, bah je vais continuer à claim alors. Ah, faut que je fasse gaffe quand même à l'influence. Hein. Heureusement qu'on en build up assez vite dans le jeu parce que. Ouais, attends, build assez rapidement. Au niveau des déchets. Je suis con, regarde là, hop, extract. Au niveau des déchets, t'es toujours bien? Au niveau des déchets, je suis à 5 wastes. J'ai encore du temps. C'est plutôt. C'est honorable. les artefacts, on sait pas si on va en avoir ou pas, c'est ça? C'est en faisant le survey que tu sais ce qu'il y a. Ah, si on aura, ouais. Du coup, si je, voilà. Ouais, si je le fais sans faire le survey, oh, allez, c'est joli comme tout. Hein. Le stockage est full, me dit-on. Aïe, 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 quelle catastrophe. Et oui, est-ce que tu as fait un stockage large? Non, mais c'est ce que je vais faire maintenant. Ça me demande des minéraux que je possède, alors pas de problème. Remets l'image du stream de mon côté puisque je t'avais perdu. Ah voilà, très bien.
Voilà. Et du coup, là, pas d'artefact ici. Bon, bah, on va continuer à claim autour, hein, pas de problème. Surveille déjà. Enfin, on va faire des surveilles avant de tout claim. Hein, parce que... Ah bah oui. Et donc, tu me dis dès que tu as deux petits artefacts, et on va pouvoir accéder à une autre partie du jeu qui est la gestion de la population. Avec plaisir. Que je trouve assez intéressante. Oui, alors c'est vrai, on profite du fait qu'on est deux, on a zappé entièrement le tuto, et c'est un peu Nodus en hologramme qui me le fait. Mais effectivement, normalement, ça aurait été largement expliqué tout ça. On l'a juste. Ouais, non, c'est très, très bien expliqué pour le coup. Au début, j'avais peur de l'aspect. Très étouffant des mécaniques qui arrivent à toi, et je voyais personne commencer à m'expliquer le principe du jeu, et au final t'as un gars qui vient assez rapidement et te dit hey, c'est toi le nouveau mec qui gère la ville, voilà comment ça se passe. Tu rencontres la personne qui gère le spatioport, tu rencontres la personne qui gère le conseil, tu rencontres la personne qui gère les déchets, l'énergie, etc. Et chacun t'explique comment ça fonctionne, ils te prennent pas à pas. Et là. Les personnages sont pour le coup assez rigolo. Ah, un raid artefact, on va claim et on va zoner ça, très bien. Donc t'en as deux ? Bientôt, pas tout de suite, okay. Mais ça arrive. Cependant, je rappelle que Sir Karma sur le chat qui est de retour, il était parti faire une petite course, est donc de retour et fait partie de l'équipe de développement et directeur artistique sur le jeu, donc si vous avez des questions, c'est peut-être le moment. Voilà, j'ai donc deux artefacts. Alors, tu peux cliquer sur ton spatioport, qui n'est pas le grand cube blanc mais l'autre. Ouais, je l'ai. Pas de problème. Voilà, Et tu as accès maintenant au spatioport. Tout à fait, effectivement. Ouh là là, ça en fait des petites métriques là. Ouais, alors en fait, tout ce que tu vois là, c'est des vaisseaux qui arrivent à intervalles réguliers et que tu peux en fait, moyennant influence, faire débarquer sur le spatioport. Okay. Là, ce qui t'intéresse, c'est pas des vaisseaux avec des minéraux dedans ou des ressources. Ce qui t'intéresse, c'est des vaisseaux avec des citoyens. Okay. Donc, tu vois cette valeur sur la gauche. Ouais. Il t'en faut par exemple 2 ou 3, c'est très bien pour commencer. Il faut noter également que, à l'instar de tout ce qui se trouve dans le jeu, les citoyens, bah, ils sont chiants, ils ramènent avec eux également des déchets. Donc, tout est basé aussi autour des déchets dans la production. Donc, faut faire gaffe à ce qu'ils ramènent. S'ils ramènent trop de déchets, bah, faudra également les brûler. On va te faire un incinérateur après. Est-ce que tu as un vaisseau qui arrive ? J'ai un vaisseau qui arrive, le MSS Tigri. Je pense que c'est une vanne. Je pense que c'est une vanne qui fait Miss Tigri. Et il arrive. Il arrive. Eh ben, écoute, pendant que. Ah, not enough arrive, living space. Voilà, on peut commencer à te faire des habitation pods. Donc on va faire ça dans ton. Dans mon headquarter ? Dans la factory, je pense, t'as plus de dans place. La factory. Ah, tu veux les faire directement dans la. Alors, en fait, voilà. Là, par exemple, t'as un premier cas de figure, t'as différentes solutions. Tu peux soit le faire, faire un habitation pod dans ton headquarters, mais ils vont être assez serrés. Mm-hmm. Soit dans la factory, ou soit tu peux faire des bâtiments résidentiels, mais pour ça, il te faut plus de crédit et je pense que t'es pas encore avancé dans la partie pour construire un bâtiment résidentiel. Mais tiens, c'est toi qui vois le live là, je peux construire ici ou je vais, ils vont pas pouvoir se déplacer dedans. Je crois que tu peux construire ici. Vas-y, on va essayer. De toute façon, une fois qu'ils sont dedans, après. Ah, fais gaffe à pas bloquer l'entrée, nous dit Sir Karma, donc je pense qu'il fallait pas trop. J'avais déjà fait se chevaucher deux trucs. Je sais pas si les flèches étaient superposées, cela dit. Attends, on va plutôt faire ça pour le moment. Voilà, c'est plus. Veille à ce que le pod soit alimenté. Ouais, 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 il est alimenté. Sinon, tu peux pas construire en fait. Ok, très bien. Donc là, en fait, ils vont arriver, ils vont se mettre dans leur petit lit tranquille et ils vont commencer à pioncer. Et tout ce que tu peux faire à l'intérieur des bâtiments, donc là par exemple, que ce soit la monétisation, l'habitation, etc., tu vas pouvoir le faire via des gros bâtiments dédiés dans la vision macro. Ouais, par bien exemple, sûr, bien sûr. Les habitation pods deviennent des immeubles. Et le truc qui est intéressant, c'est que les immeubles de base ont un étage. Et tu peux, en augmentant, chaque bâtiment peut voir son niveau augmenter. Bah, tu peux les faire gagner en verticalité. Même ton headquarters, là tu peux l'upgrade si tu veux. Ouais, alors je découvre aussi qu'a priori, les habitats... Attends, ouais, voilà, on va faire ça comme ça, c'est bien ça. C'est peut-être pas assez d'habitats pour tout le monde, là, j'ai l'impression. Par rapport à ce qu'il y a, ouais. Par rapport à ce qui arrive dans mon... C'est deux par truc, et si t'as trois personnes, ouais, ça va être... Ouais, là, ils sont cinq. Du coup, est-ce que ça va renvoyer tout le chargement, ou est-ce qu'ils vont quand même décharger ce qui peut l'être ? Ils vont décharger les ressources, et là, c'est juste que les mecs, pour l'instant, glandent, mais... Ah, d'accord. Il faut que tu fasses des pods. Alors, assez rapidement aussi, je pense que tu vas manquer de place dans ton usine. Donc, ce que tu peux faire, pareil, deux solutions. Soit upgrade ton usine pour qu'elle gagne un étage. Ouais. Ou, moi, c'est ce que je préfère, construire une usine à côté de ton usine existante pour pouvoir fusionner les deux bâtiments.
et en faire une plus large. D'accord, vas-y, ok, on va faire ça. Alors, on va pas faire ça, parce que d'abord, il nous faut plus de minéraux, mais ça ne saurait tarder. Donc, il faut que tu en construises une à côté. Et à noter que, évidemment, pendant que tes deux usines soit s'améliorent, soit se fusionnent, elles seront inactives. Donc, si par exemple, c'est ton usine qui génère de l'énergie, il faut réfléchir avant. Mm-hmm. Parce que ça peut te mettre toute une ville dans le noir complet. Alors, on rappelle aux gens qui nous regardent qu'il y a un tuto. Hein, c'est juste que moi, j'ai décidé de me laisser guider par Nodus. Voilà. Merde, mais il y a un tuto, rassurez-vous, c'est un jeu disponible, on le rappelle, en accès anticipé sur Epic Game Store au prix de, tu te souviens Valentin? Je l'ai pas en tête, tu me poses une colle, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Peut-être que Madingue, l'homme providentiel. Attends, je vais vérifier ça, ça doit être 25€ sur Epic Game Store. Et on rappelle également que tu as écrit une preview sur le jeu, qui est disponible sur GK, en accès libre, et que tu as intégré dans la conclusion les éléments qui sont prévus par la roadmap du jeu. Tout à fait, donc sachant que la sortie est prévue pour 2021. Voilà. Alors, là, on est... Alors, on est encore là. Ok, alors, donc j'ai ces deux bâtiments. Très bien. Connect. Tu vas pouvoir en sélectionner un et les connecter. Donc là, pareil, il va te refaire une petite anime. Il va avoir besoin d'un peu plus d'isotopes pour le faire. Ouais. Et donc, on va essayer de. Avoir un ah, c'est trop classe, les petites animes. J'ai l'impression de regarder. Comment s'appelait ce truc? C'était quoi? C'était E-Boy? Les animations en pixel art, là, les trucs qu'on adorait dans les années 2000 et qui se trouvaient sur internet, c'était pas E-Boy? Enfin bref, j'ai l'impression de regarder la meilleure pub Areva possible, quoi. Bravo, hein, franchement. Donc là, ils vont commencer à se fusionner et tu vas pouvoir donc faire assez d'habitation pods et aussi faire tes capsules de monétisation, puisque les crédits en fait te servent à plusieurs choses, notamment à débloquer le conseil, mais aussi à acheter des ressources. Stylé. Alors, du coup, plus d'habitation pod, hein, me semble quand même être la moindre des choses. Dans leur habitation pod, là, malheureusement, il va falloir que je mette un nouveau. C'est un energy relay. Energy relay pour que ça relaie l'énergie. En revanche, veille bien à ce que ta consommation d'énergie se fasse pas, enfin, n'excède pas ta production. Ouais, bien sûr. Clique sur le générateur et tu pourras avoir ça. Après là, ça va t'amener un large, donc je pense qu'on est pas mal. Et donc ouais, effectivement, comme on peut le constater, maintenant l'usine qui était... Sir Karma nous fait remarquer qu'il y a un petit bug et que maintenant l'énergie outlet est cassée. Donc on va le dismantle et on va en remettre à nouveau. Ah mais très bien, c'est pour ça. J'ai eu ce bug là aussi moi dans mes sessions de jeu durant la prévue et je me dis putain, est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal fait ou est-ce que... En fait non, ok, très bien, maintenant il est... Bon là on le reconstruit en tout cas. C'est un bug sur le connect. D'accord. Et bah comme ça on fait un peu de debug pour Brace Yourself. Donc tu vas pouvoir alimenter ça tranquillement. Et moi du coup je vais me faire un energy relay. J'ai envie de le placer bien et du coup j'ai envie d'en profiter un maximum pour faire ouais on va faire ça comme ça. Oui, non, peut-être. Allez, on va faire ça comme ça. D'accord, et du coup habitation pod autour. On n'a pas du tout la même... Non, mais moi, tout est dégueulasse. Tout doit être dégueulasse. Ah, c'est horrible, quoi. Jamais je te fais construire des trucs. T'as déjà vu mes bases d'Oxygen Not Included? C'est les pires. Hein. Ouais, j'avais vu tes tweets passer. Cela dit, maintenant, j'ai très envie de voir tes parcs dans Planet Coaster. Ah, là, en revanche, j'y mettais vraiment le paquet, quoi. J'étais vraiment un cador, je peux te le dire. Donc là, tu peux. Voilà, donc ça va se construire tranquillement. Niveau déchets, j'arrive pas. Ah, je vois que. Ouais, on va commencer à te faire un incinérateur parce que ça va devenir un petit peu. Oui, effectivement, ça va être un problème. Donc, mais de toute façon, il va te falloir pour l'incinérateur, je pense, des crédits, donc des stations de monétisation. Alors, les fameuses stations de monétisation, pour ça, il va nous falloir plus de minéraux, je pense, parce que là, j'ai un petit peu fait le fou. Et pour faire plus de minéraux, bah, il va falloir aller. Alors. Les patchs de minéraux là, je peux les claim? Tout à fait, tu peux les claim et aller les exploiter, ça va t'apporter beaucoup plus qu'une ruine. Ah bah très bien. Et gère tes priorisations de tâches, au moins si jamais t'as des gens qui par exemple construisent alors qu'il te faut des minerais, tu peux gérer ça dans l'onglet dédié. Alors il faut que je fasse gaffe parce qu'il se trouve que c'est cet onglet dédié qui a fait planter OBS tout à l'heure, il faut pas que je fasse de drag and drop d'employés. Bon bah tant pis. Je peux pas faire le drag and drop?
Bah apparemment, Sir Carmore disait que ça faisait... T'es obligé de passer par du drag and drop pour... Ouais, pour... Bon, on va essayer de faire 100 pour ce live. A priori, c'est un souci avec... c'est un non, souci. Mais c'est pas... Non, c'est pas grave. Je vais faire du claim classique par ici. Fais du... Ouais, alors, on vous explique, hein, c'est plus lié à un souci avec OBS. Mais sinon, je pense que là, juste si tu prends le champ de ressources, ils vont aller naturellement l'exploiter. Hein. Bah là, je l'ai pris, mais a priori, employé assigned. Ah, voilà, non, j'ai oublié de te dire, voilà, il faut que tu cliques sur le bouton employé assigned. Ah, voilà. Là, c'est bon. Et donc voilà, lui a un emploi à temps plein. Maintenant, c'est la différence entre les emplois à temps partiel qui, eux, vont ramasser des ressources. Transporter les trucs. Ah, c'est vrai que notre pylône il est éclaté là. Il a eu un souci. Il a pas aimé le connect, à mon avis. Le connect fait planter beaucoup de choses. Parce que comme tu vois, il ne tourne plus. C'est Sir Karma qui me fait remarquer ça. On va le dismantle et en créer un autre. Il doit avoir chaud là, Sir Karma, chez lui. Bon, c'est dans les accès, c'est à ça que ça sert. Merci Nick Zombie pour ton 4e mois. Mais est-ce que j'ai prévu seulement un smiley pour les gens qui sont en 4e mois? Merci beaucoup. Alors, on se le refait. Là, ta priorité, ça va être les stations de monétisation et ensuite l'incinérateur qu'il faudra que tu mettes dans la zone de ton pylône. Tout à fait. Ce qu'on va faire, alors, ensuite, il va me falloir des crédits. Alors, l'incinérateur, où es-tu, mon ami ? C'est vraiment un jeu que je... Enfin, je suis pressé. Là, en l'état, la version me permet pas forcément d'avoir... C'est un smokestack, pardon ? Smokestack par contre, oui, c'est l'incinérateur. Et donc il te faut ça, donc il te faut des crédits, j'imagine. C'est bon. Ok, très bien. Et mais du coup, ça pollue cette petite saloperie, il faut peut-être pas le mettre Ah oui, ça. Il faut pas le mettre n'importe où. Hein. Il faut que tu le mettes loin de tes habitations, donc là pour l'instant, ça va. Ouais, mais j'essaierai d'expandre mes habitations par là, et du coup je vais mettre mon smokestack ici. Très bien. Merci Minal47 pour ton prime. C'est un jeu que j'ai très envie de voir vivre de nuit, une fois que t'as des villes assez grosses, parce que vraiment, les effets visuels et les bâtiments et tout, ça a l'air super, super, super beau de nuit. Alors bon, là, il va falloir effectivement qu'on salvage des trucs. Alors pourquoi je ne peux pas... Effectivement, Sir Karma te conseille d'upgrade ton pylône. En cliquant dessus, tu peux... Vas-y. Une fois qu'il sera... Ouais. Hop, je le laisse s'activer. Yes, et ça va augmenter ta zone d'effet. Ah, il se lance pas. Est-ce que c'est pas parce que tu génères placé d'énergie, je pense. Tu penses que c'est ça? Bah t'as quand même mis beaucoup de stations d'habitat, t'as quand même mis beaucoup de trucs. Teste d'aller voir dans ta factory. Si tu... Il n'est pas connecté, nous dit-on. Il n'est pas connecté à une grid? Mais je ne comprends pas. Bah il faut... Alors on tente de refaire ton industrial outlet et de voir si t'as assez d'énergie. On va voir ça. Oh là là. Il y a eu tout un sacré merdier ici. L'industriel outlet n'a pas fonctionné ici. Alors ici on a quand même... Oula. Voilà. Ah, effectivement. Ouais, y a un truc. Merci Papou Gamer pour ton tier 1. J'ai cassé le jeu. Voilà, bon, on va démonter ça. C'est vrai que ouais, tu as une façon de construire qui n'est pas du tout la mienne. Écoute, on n'est pas là pour ça. Je ne juge pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on disait, nous ? On disait Energy Relay, comme ça. On va le mettre là. Ah, et là, normalement, ça doit le faire. Peut-être fais-le sur une autre tuile. On va voir ça. Exactement, moi, je suis là pour la décroissance. Ah bah alors, petit gars. Oh, j'ai tout cassé le jeu. Je crois que il faut que tu bouges plutôt ton industrial outlet, pas ton... Ah. Pas ton relais. Et oui. Ah ouais, parce que là j'ai fait deux fois. Non, c'est ma faute. Allez hop, c'est parti. Ouais, désolé, j'étais ailleurs. Alors, mon outlet, il est où le pépère? J'ai encore du mal à repérer les bâtiments pour ce qu'ils sont, c'est normal. Industrial Outlet. Parce que tu les organises comme un chien. Pardon. Alors, c'est pas obligé. Pas obligé d'être. C'est-à-dire que là, en fait, tu fais vraiment dormir tes citoyens à côté d'une pompe à carburant, quoi. Bien sûr. On va le mettre là. On va le mettre sur une tile qui a pas encore souffert.
Oh là là, j'ai chaud. C'est normal, c'est normal. Et si vous passez pour l'early access, vous savez que c'est aussi pour identifier plein de trucs. Hein, je veux dire, et quand vous achetez de l'early access, vous savez exactement de quoi il retourne. Il va y avoir des bugs, c'est normal. Et là, il y en a un. J'ai l'impression qu'on a tout pété à partir du moment où on a merge ces deux bâtiments. Du coup, j'ai envie de tout raser. Est-ce que c'est pas ce qu'on ferait? Bah, ouais, Sirkama te dit qu'il y a un problème, donc vas-y, on peut faire ça. Rasons tout. Alors, si je rase tout là, il va s'occuper de tout ça? Non. Bah, t'auras. Ah, il me semble que tu ne pourras pas raser s'il y a des trucs bah, à l'intérieur. Bah, ouais, il va falloir que je rase à l'intérieur. Bon. Ouais, j'avais ce problème également. Sinon, dans le HQ, nous dit Sirkama. Ouais, c'est vrai. Comme il est connecté à la même grid, tu peux éventuellement dans ton HQ. Ouais, effectivement. On va peut-être faire ça ton là. Industrial outlet. Alors, on dit. Du coup, il me faut un générateur d'énergie. Mais oui, Jules, mais bien sûr. Oh là là. Désolé, c'est mon chat. Alors, on va mettre ça là. Allez, puis. Ah oui, ton truc de stockage, il est full plein. Là. Ouais. Oh là, ah oui, là, on l'entend bien, Danny Baranowski là. Où t'allais dire, j'entends bien mon chat. Non, ça c'est pas plein, regarde, j'ai un gros storage là. Ok, ouais, je l'avais pas vu. Alors, Industrial Outlet. Et donc, Energy Relay, comme ça? Bah ouais, on peut le mettre là d'ailleurs. Tout à fait. Allez, petit gars. Et donc, ça devrait alimenter ton petit pylône. Et on va pouvoir commencer à refaire une factory, à refaire des stations de monétisation. Oh là. Pour que tu commences à faire de la moula. Ouais, sauf que... Non, not enough fuel, bah oui. Bah oui, c'est normal, c'est ma faute. Allez, on va en faire un grand tout de suite, comme ça on s'emmerdera plus. Il faut noter également, je crois que c'est toi qui l'avais essayé, que Brace Yourself Games, décidément, bosse aussi sur Phantom Brigade en parallèle. Ah, j'avais pas pu l'essayer, mais je l'attends effectivement énorme. Alors, c'est les développeurs, on l'a pas dit, hein, si vous arrivez en cours de route, les développeurs de Cadence of Hyrule bossent là-dessus, mais également sur un jeu de combat tactique de mecha. Avec qui pètent des grosses maisons, voilà. Enfin, voilà. Des gros mechas qui pètent des petites maisons, en fait, c'est vrai, finalement. Voilà. Ah, voilà qui roule. Ok, si tu génères beaucoup d'énergie, tu pourras même, dans ton grand luxe et ton opulence, faire des batteries pour la stocker. Alors ça c'est disabled, pourquoi des ouais tout à fait, des petites batteries, pas de problème, on peut effectivement peut-être encore se mettre ça dans le headquarter. Batterie on peut, ouais, comme ça, ou comme ça, comme ça. Voilà, c'est un beau petit... C'est vraiment... T'as vu un peu ergonomie top. Alors, fuel tank, j'en voudrais bien un grand, mais je n'ai pas assez de minéraux. On va essayer de se faire des réserves pour terminer le live en beauté. Tiens, les minéraux, j'en ai plein ici. Très bien. Voilà. Ton incinérateur, du coup, n'est toujours pas alimenté, ouais. Ouais. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec le pylône. Avec le pylône, moi non plus. Alors, attends, je vais le disable, le enable, et c'est parti. Ah, yes. Voilà, cool. voilà. Donc maintenant, ton incinérateur... Ah, c'est beau quand même, ça s'anime. Attends deux secondes. Ton incinérateur va fonctionner et tu peux en fait... Bon, là, tu vas éviter parce qu'apparemment, ça fait bugger l'interface. Mais tu peux réorganiser la tâche, gérer les détritus pour qu'ils aillent récupérer les déchets un peu partout et les brûler. Et il faut aussi que tu assignes quelqu'un sur ton incinérateur. Ah ah. Alors, voyons un peu. On va en mettre un. Très bien. C'est parti. Du coup, à partir de là, is ok. Et t'as aussi. Ouais, voilà. Très bien. Et tu vas pouvoir accéder tout en bas à gauche de l'écran aux différents overlays, notamment l'overlay pollution. Alors, les voyons. La pollution, très bien. Tu pollues comme un sale. Eh oui, monsieur. Mais c'est ça, alors c'est le capitalisme. C'est un nuage qui progressivement s'en va, hein, évidemment. Mm-hmm. Mais là, donc t'es dans le vert, tu peux aller dans le jaune et dans le rouge, je crois. Donc faut garder un œil là-dessus. Évidemment, plus tu vas brûler de ressources, par exemple, si tes employés en brûlent 30 d'un coup, ça va polluer beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Faut gaffe à ça. Alors, là, je pense que tu peux te diriger vers les monetization stations tranquillement. Ouais, sauf que là, en fait, j'ai plus rien, moi, dans mon truc, là. Enfin, il faut que je peux déconstruire tout ça, là, ça sert plus à rien.
Ouais, si t'es alimenté par ton HQ, tu peux détruire ça. Je préfère récupérer les ressources à la limite. Mais du coup, l'industriel outlet, on va tout raser en fait. On va tout raser allez, pour allez, être on sûr rase que tout et on... pour être sûr que le bâtiment a pas pris un petit coup dans le bug de tout à l'heure. Moi, je préfère quand même. On va refaire des petits pods. On est là pour voir le jeu en action, hein, quand même. Ah bah dis donc, ça en fait du. Eh oui, monsieur, eh oui. On et dirait donc, les police... petits droïdes scuzzers de Startopia. Je me demande s'il y a une toute petite inspiration. Il y a une patte Startopia, effectivement, une petite touche. Alors, bon, pour l'instant, on va rester sur de la. Voilà, hein. Alors j'espère que la tile n'est pas concernée par le souci, même si on pourrait effectivement se dire... Non, on va rester là-dedans. On va se dire qu'une construction saine devrait faire le boulot. Oui. Donc à terme, en fait, il y a plein de trucs que le jeu voudra gérer. Donc là, par exemple, on a déjà vu des screenshots et des gifs du jeu avec des routes. Là, il n'y en a pas encore, je crois. Mais à terme, donc les employés transporteront les ressources d'un bout à l'autre de ta ville avec des camions. D'accord, donc, ok. Il faudra aussi gérer les infrastructures routières, gérer la pollution, gérer... là par exemple, lorsque tu as un employé à temps plein sur un incinérateur, sur une tourelle ou sur un bâtiment, il bosse là, mais tu lui verses pas de salaire pour l'instant. Il est voilà, il est bénévole. D'accord. Ouais, je suis pas sûr qu'on appelle ça comme ça, mais ok. Ouais, on dirait que c'est du bénévolat. Okay. On appelle ça, oui, voilà. Et donc à terme, lorsqu'il sera plus content de se faire exploiter dans les versions futures, eh ben, il faudra lui verser un salaire. Et ça, c'est okay. Cool parce que je trouve que pour l'instant, l'économie du jeu est assez... voilà, c'est la première version, donc c'est assez laxiste sur les crédits. Je t'en fais très rapidement, très très vite. Pouvoir verser un salaire aux gens, ça va être cool. Alors là, il faudra un industrial outlet, on est d'accord, pour transmettre ou c'est bon? Tout à fait, pour recevoir. Pour recevoir. On va ouais. Le mettre là, du coup. Très bien. Et du coup, des habitation pods, on en parlait tout à l'heure, mais pour ça, il nous faudra un energy generator. Non, c'est pas un energy generator qu'il fallait, c'était un... Energy... Relais. Relais, merci. Oh, rassurez-vous. Donc là, maintenant, tes citoyens pourront enfin habiter dans ta belle ville. On va se faire des petits pods. Bon déjà ça part mal, je vous le dis, ça part mal. Ah, ça part hyper mal. Avoue que tu l'aurais fait pareil. Comme ça. Et... Moi, voilà. Ah merde. Moi j'aime bien quand il y a du Tetris. Ça me branche. Alors pour l'instant j'ai personne qui peut bosser dans la monetization station. Alors on l'annule. Habitation en fait, pod. Pour que les gens ouais. Bossent dans la monetization station, il faut d'abord qu'ils habitent. Ouais. Donc d'abord les pods. Bah là c'est bon, on part en construction là. Ça part en construction. Allez, ça part en prod. Ça part en prod mon gars. Hop, voilà. Et du coup on va pouvoir aller se réintéresser à ce qui nous intéressait avant la catastrophe, à savoir hop là ah bah tiens. Un vaisseau qui arrive et qui s'appelle Cadence. Ça tombe. Ouais, je l'avais vu aussi dans mes sessions. Ouais. Ok, donc voilà, ils arrivent. Donc là, il y a deux personnes qui vont venir habiter, ainsi que. Pourquoi j'ai écrit j'ai cliqué sur Soul. J'ai fait une bêtise? Non. Ah, c'était Soul, pour. C'est... Ah, ça accepte. Ah, peux... D'accord. Ouais. Allez, voilà, ils sont arrivés. Ouh, j'ai eu peur. Hein. Oh. Donc là, ils vont commencer à habiter et tu peux les mettre devant un écran. Pour générer la petite moula. Très bien. Alors là, j'ai pas assez de spaceport, not enough spaceport storage. Ah oui, notamment en ouais. Waste. J'ai, ouais, celui-ci, je vais pas pouvoir le recevoir parce que j'ai pas, je peux pas garder assez de déchets. Ouais, tu peux aussi faire des waste receptacles qui te permettent de la stocker. Ouais. Je peux aussi améliorer mon smokestack. Tout à fait. Qui bah va allez. Du coup pouvoir accueillir deux employés. Et du coup, pouvoir faire encore plus de pollution. Alors... Il y a aussi, là pour l'instant on ne le voit pas, mais il y a aussi des bâtiments, donc sur le plan macro, hein, le plan de la ville, des bâtiments qui permettent de générer du fuel, des gros réservoirs, ouais. Des générateurs d'énergie, il y a des offices, enfin des bureaux.
Ces bureaux en fait vont agir comme les monetization pods, station pardon. Donc c'est des bâtiments dans lesquels tes citoyens qui n'ont pas de travail vont venir bosser pour générer du blé. Ok, d'accord. Tu peux faire des grands immeubles de bureaux et foutre ton smokestack à côté pour le polluer. Comme ça ils bossent dans des bonnes conditions. C'est ça qu'on aime. Allez, on construit les copains. Parce que, ah bah tiens, ah oui, effectivement, ça vit dans son petit pod. Et puis bah du coup, ça va pouvoir bosser à la monetization station. Ça y bosse déjà d'ailleurs. Donc là, tu dois générer des crédits supplémentaires, je crois. Oui, tout à fait. Je génère du crédit, moi, mais si. Ouais. Alors, je te conseille de mettre ton petit réservoir à waste, parce que sinon, c'est un peu des gros ports, et ils vont mettre leurs déchets par terre. Ok, très bien. On va aller retourner et faire ça, du coup, en... Est-ce qu'il y a... Attends, je veux tester un truc, parce que ça me semble quand même important quand on jouera beaucoup. Yes, le double-clic fonctionne sur les bâtiments pour entrer dedans. Ma vie vient de changer. Waste Receptacle, très bien. Sir Karma nous dit effectivement que les bâtiments résidentiels, donc les tours en fait, les immeubles de résidence, ont une meilleure résistance à la pollution que les vieux pods tout claqués dans tes usines là. Ah oui, effectivement, l'entrée de la monetization station est... Eh oui, j'ai voulu faire le show. J'ai voulu faire le show et j'ai bloqué un perso là, tu vois. Tu le vois celui-ci? C'est parce que j'ai pas bien prévu mon main. Bref, tu l'as. Je l'ai. Tu l'as, hein? Ouais, il l'a. J'étais sûr que tu l'avais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ce petit chose et le mettre à l'endroit, effectivement, où il est bloqué. Sir Karma avait la même idée que moi. Voilà. De la sorte. Comme ça, il fera le grand tour, mais tant pis. Ouais, il y a aussi tout un aspect gestion des parcours et gestion des itinéraires. Il faut optimiser ça au maximum. Est-ce que est-ce que tu sais si je peux monter la priorité de construction d'un bâtiment pour être sûr qu'ils s'y mettent en premier lieu? Bon, bah voilà, ça remarche. D'un bâtiment spécifique, je ne pense pas. Par contre, tu peux leur dire construisez plutôt que les déchets, par exemple. Alors, là, on a un bâtiment qui arrive. Vas-y, je le prends. Enfin. Le Shimmer, un vaisseau qui arrive avec 4 personnes à son bord, ça va commencer à faire du... Je te conseille de faire un bâtiment résidentiel du coup. Ok, d'accord. Dès que tu auras assez de crédit, il en faut 300 pour le débloquer. Ah ouais, mais là ça va pas être possible tout de suite, il va falloir que j'en génère un peu plus que ça, je pense. Eh bah Gauthier là, allez, monétise. Bah ouais, on va monétiser à fond là. Il nous faut des responsables monétisation, alors là il nous faut des achats in-app. Tu mets des microtransactions, tu mets des trucs, je m'en fous, tu mets ce que tu veux. Exactement. Alors écoute, le problème c'est que là on va être un peu coinceman. Oui, mon chat. ta disposition du match. Mais non. Regarde mec, c'est pas du tout honteux. C'est un... Franchement c'est un pod... Oui, mais ça... Ah oui, c'est crado dedans ça... ici, qu'est-ce qui se passe? J'appelle ça un goulag. Ah bah c'est parce que... T'inquiète. Alors, des espaces de monétisation, là. Non, c'est pas moi qui l'appelle mon chat, c'est... Non, effectivement, c'est... oui, effectivement, on n'y pense pas assez, hein, mais... Mec, tu auras jamais vu un truc aussi opti. T'es prêt? Parce que je peux te dire que t'auras jamais vu un truc aussi opti. Voilà, boum. Ah non, ça marche pas. Allez. Allez, sortez-moi ça. Monetization Station, on va pouvoir en mettre une autre ici. Ou alors j'en mets là et non, on va en mettre une autre ici, une autre là et une autre ici, et voilà. Tous vos projets d'urbanisme et d'architecture, ouais, passer à la maison. Alors là effectivement c'est crado de partout, peut-être qu'il faut que j'installe quelque chose. C'est des waste receptacles. Ouais, tout à fait, ouais. Et je te conseille de pas trop traîner à faire un bâtiment résidentiel d'électoral et 300, parce que ça prend quand même beaucoup de place les pods. Alors les waste receptacles en revanche je me suis un peu chié dessus, mais bon c'est pas grave. Tu peux aussi améliorer ton QG pour avoir un étal, sache-le. Ouais, bah là de toute façon on va faire monter, alors il est 18h22, on va se fixer comme objectif d'ici la fin du live d'avoir eu suffisamment de blé, de génération de blé, là ça avance hyper vite, ça va même arriver avant la fin du live, pour construire, ouais c'est dégueulasse, on dirait chez moi quand j'avais 25 ans. En fait il faudrait un waste receptacle par pod de vie, c'est ça? Ils accueillent assez peu de déchets, ouais, mais après si t'as une bonne routine de production,
ton incinérateur il tourne constamment et t'as assez peu de déchets. C'est ouais, juste bah, que toi ta routine n'est pas bon, elle est pas optimale. C'est eux qui mettent dans qui mettent les saloperies dedans ou c'est les petits robots qui le font? Je crois que c'est automatique donc ça doit être les petits robots. J'ai pas regardé ça, je me suis pas penché sur ce détail. On a un petit souci là. Oui, tu n'as, alors soit pas assez de fuel, soit pas assez d'énergie. Alors où est-ce qu'on va voir ça? T'as construit énormément de bah oui, je suis parti en... Là j'ai pas assez de power effectivement. On le voit ici peut-être. Alors on va en fabriquer plus. Est-ce qu'il y a des concurrents à la manière de Anno ou le joueur est seul? Alors la page Steam, enfin la page Steam et la page Epic Game Store disent que il faut concurrencer les autres corporations sur Titan. Donc j'imagine qu'il faudra à terme dans les futures versions entrer en concurrence avec d'autres. Ah mais non, je suis con. Mais je suis complètement con. Ah non, c'est bon, ils peuvent tourner autour. Non, ça va aller, ça va aller. Là pour l'instant, en tout cas, c'est des camps rebelles qu'il faut nettoyer. Enfin, dont il faut prendre le contrôle. Du multijoueur, je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas prévu pour l'instant. Là, j'aimerais bien pouvoir leur dire que c'est ça, c'est Prio en fait. Ah bah. Ouais, parce que là, on va avoir effectivement un petit souci de production d'électricité. Maintenant, j'ai soudainement envie de rejouer à Offworld Trading Company. Eh oui, mais tu sais, ça fait vraiment des petites parties Offworld en y repensant. Ouais, rapidement, ça. En multi, j'avais testé Offworld sur des cartes assez larges et tout, c'est pas mal. Mais pourquoi ne veulent-ils pas le construire? Peut-être faire un étage. Mais. Ouais, t'as peut-être raison. Tu peux avoir un. Non, mais ils ont accès parce qu'ils se baladent sur toute la bande bleue. Donc, normalement, ils doivent être capables de construire ce module. Je capte pas trop pourquoi ils le font pas, mais c'est pas grave. Effectivement, on va peut-être pouvoir faire un upgrade. D'autant que j'ai tout ce qu'il faut en upgrade. Donc, voilà. Mes employés sont trop occupés, tout simplement. Bah oui, c'est le bordel partout. Vous avez vu l'état un petit peu de cette map? C'est effectivement un truc qu'on n'a pas évoqué, mais que quelqu'un soulève dans le chat. Donc là d'ailleurs on voit ton headquarters s'améliorer. Qu'on n'a pas souligné, c'est qu'à la fin il y aura du combat. Là pour l'instant le seul combat c'est placer des tourelles de défense dans ta ville. Il y a des vaisseaux qui vont arriver et ça va les péter. Mais dans les futures versions tu pourras construire ton vaisseau exactement comme tu construis l'intérieur des bâtiments. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ouais, tu places ton petit moteur, tes boucliers, tes canons, etc. Allez etc. Les gars, on vous fait confiance, cette fois c'est la bonne. Je vous ai libéré du taf là. Voilà, hop, on est reparti sur de la grosse génération d'électricité. Boum. Il est parti. Mais oui, ça fonctionne. Enfin, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ça a l'air en tout cas. Revenons. Ouais, alors niveau qualité de l'air, on n'est pas fou. Hein. Vraiment, je te conseille de mettre... J'avais juste désactivé mon smokestack le temps de... Voilà, parce que ça consommait un peu too much. Alors hop, on va y mettre deux employés maintenant. Ah, voilà une crise d'accessible. Voilà une crise d'éviter. Alors deuxième étage accessible, on y accède comment? Ici. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on voulait faire, mon cher Nodus, avant que la crise ne frappe? Monetization, c'est fait. Un bâtiment résidentiel, on voulait faire. Parce que là, ils dorment tous dans ta factory. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on devait faire avant de terminer là. Bah écoute, là, ça marche quand même tout de suite beaucoup mieux. Hein. Ils sont pas beaux là, oui. Regarde. Regarde la télé toute la journée. Ah non, il y a une vraie vibe Startopia que je ne savais pas être dans le jeu. Du coup, bah, je suis hyper content. Et quand je suis content, je ne vomis pas. Un truc résidentiel le plus loin possible. Mais du coup... ouais, non, ça aurait été bien de le mettre là. Je vais claim ces trucs-là, en fait. Je veux que ce soit le plus loin possible de la pollution. Voilà, empty lot. Et donc, on aura rempli l'objectif de ce live. Je sens que Gotos va nous faire un stream ce soir sur le jeu sur sa chaîne. Alors, j'y pensais, mais en fait, j'ai un autre jeu que j'aimerais essayer aussi sur la chaîne, peut-être ce soir. Un CCG free to play avec des Charpanzer, voilà. Tout est dit. Est-ce que c'est Cards? Oui, tout à fait. Ah, mec, je vais essayer, c'est trop bien. C'est vrai? Je m'attendais vraiment à un truc nul, mais j'en avais parlé, je crois que ça avait fait un tour de la mallette dans l'émission. Il y a un concept cool de ligne de front. Ouais. Faut que tu prennes le contrôle de la ligne de front pour pouvoir attaquer. Et pareil, quand t'es attaqué, faut que tu reprennes. Enfin, c'est très bien. La ligne de front agit comme une.
comme une zone au milieu de l'écran, et c'était très très bien Cards. Ah, j'ai c'était un petit souci d'alimentation, d'électricité, energy status, j'ai encore cassé un truc. La ville commence à partir en couille là, ça y est. Non, regarde-moi mec. Boum. Oh ouais. Oh là 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 là. Oh ouais. Et il disait qu'il était mauvais à Tetris. C'est qui les Voxel Artists qui ont travaillé sur ce jeu? Il a l'air magnifique. Eh bien, c'est Sir Karma et il est sur le chat. Entre autres. Il y a oui, entre autres, effectivement. 3D. J'avais tout prévu depuis le départ, exactement. Mais je sais pas pourquoi, mec, on me dit que tu peux avoir une villa et toi, tu t'obstines à vivre dans un 12 mètres carrés et à mettre tes 6 générateurs. C'est hyper important. C'est hyper important. Voilà, il faut qu'ils construisent les pépères. Donc, parce que l'air de rien, ils ont trop de trucs à faire et j'en ai pas assez. Comment je pourrais en avoir plus des employés? Il faut les convertir? Alors, voilà, il faut les convertir via les conversion stations ou les conversion pods, je sais plus comment ça s'appelle. C'est dans, enfin, c'est un device, donc c'est un module que tu mets dans tes bâtiments. Et tu vas lui filer un artefact pour convertir un employé. Ah oui, donc c'est très très précieux les employés du coup. Ouais, en fait les employés vraiment c'est le nerf de la guerre. Il faut bien distinguer employé et citoyen. Dans deux secondes, j'ai une catastrophe de chat. Oui, voilà. Une catastrophe. Une catastrophe, exactement. Ça va mieux? Mais oui. Mais moi aussi, je suis très content. Ah bah mec, une fois que t'as sorti un test comme celui de Fallout 76 Wastelander, c'était tellement heureux. Tellement, genre, tu flottes. Bah tu connais l'histoire, hein. J'imagine que quand tu sors un Doom Eternal, tu dois flotter un peu aussi, quoi. Ah bah oui. Donc ici, alors est-ce que ça a construit là-bas? J'ai pas encore checké. Allez quoi les copains. Il est 18h30, bon bah il va falloir à un moment se dire que... Alors il est 18h30 mais on ne tourne que depuis 56 minutes à cause de notre petit départ, faux départ. Ouais bah on peut rester encore... Si ça te dérange pas, on termine. On peut rester encore 4-5 minutes comme on avait... Voilà, comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça y est, ça construit, là. Attention, hein. Attention, les vélos. Et au moins, tu pourras les convertir et commencer à avoir un petit peu plus de monde qui taffe. Parce que 5 personnes, c'est vite assez limité. Bah ouais. Alors, tu disais, pour convertir, comment ça se... C'est un module que tu plages, j'ai plus le nom précis. Je crois que c'est une conversion pod ou conversion station, je sais plus. D'accord. Et ça se fait dans la factory? Dans la factory ou dans le HQ, si t'as de la place. Mais dans la factory, c'est mieux parce qu'il y a de la place. Arrête de vouloir tout entasser. Mais... Attends, conversion. On va voir s'il y a moyen de le faire rentrer. La conversion capsule. Franchement, c'est à deux doigts. Hein. Non, mais là, je peux pas. Effectivement, là, il va falloir... s'avouer vaincu, on va faire ça, du coup. Mais du coup, il faut qu'ils se déplacent entre les deux bâtiments de leur endroit d'habitation, ou ça va? Une fois qu'il est dans un module, il se déplace plus. Il bosse vraiment 24 jours. Il bosse 24/7. Pareil pour les trucs de conversion, une fois qu'il est dedans, il reste dedans. Ok, alors conversion station. Et gaffe à ton énergie, parce que je vois venir gros comme une maison que tu vas encore clignoter. Et... Attends, parce qu'il y avait Sir Karma qui disait qu'il y avait moyen de le mettre dans mon bâtiment tout à l'heure là. Allez quoi. Il disait si tu le tournes, il y a moyen. Attends, mais j'ai envie d'essayer. Mais quel enfer. Conversion capsule. Oh, mais oui. Ah ouais, effectivement, comme ça. Allez, boum, ça part à Baltar. Et j'annule l'autre. Oh, ils ont pas encore construit ici. Est-ce que vous connaissez Jules? Le chat. Le petit chat. Jules? Jules, tu backseat? Allez, c'est parti. Tu veux sortir? Jules communique beaucoup. Oui. Il avait besoin de s'exprimer à propos d'un... Il y avait un souci... un souci, une paperasse probablement. Probablement un problème territorial. Je pense qu'il va vouloir s'exprimer à nouveau bientôt. Oui, c'est normal. Je vous montrerai pas le chat. On va pas commencer à gratter des subs avec les chats. Ça se fait pas. C'est un chat sur mon plan. Il est derrière moi. Il est petit sur le rendu, vous devriez pas la voir. Il est là. Alors, là. Qu'est-ce qu'on disait nous avec tout ça? On disait qu'on voulait que ça construise.
Ah, pour l'instant, ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas? Parce que tout le monde est trop occupé ailleurs pour le moment. Probablement en train de dismantle mon truc ici, non? Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Pourquoi vous foutez rien là? Ta ville est sur Poluax. Ouais, mais D'accord, Gauthier, merci. Ah, mais c'est parce que ça manque de minéraux. Mais je pensais que j'avais des minéraux. J'ai tout ce qu'il faut. Ça sent le idle bug. Ah, on est tombé a priori sur un autre bug connu. Bon, bah écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Temps de terminer le live, comme le dit très bien Sir Karma au caps lock. Allez, on va arrêter. Vous l'aurez compris, hein, de toute façon, on a dû s'en parler dans sa preview. Il y a encore pas mal de soucis de stabilité actuellement sur l'expérience Industries of Titan. Cependant, bah, déjà, merci Nodus de m'avoir guidé. Mais merci à toi de m'avoir convié à ce live. C'était ma foi très agréable. Ouais, moi, c'est un jeu qui promet beaucoup. Là, pour l'instant, voilà, le seul problème, c'est qu'on en fait le tour voilà, en 3-4 heures, tu vois, tu fais le tour de la démo. Ouais. Mais c'est vraiment un jeu, enfin, je suis pressé, en fait, d'être dans un an, quand le jeu sortira, pour voir tous les ajouts qu'ils promettent, les voir s'imbriquer avec le système de jeu actuel. Mm-hmm. Parce que je pense que ça va donner un jeu de gestion, enfin, jeu de gestion slash city builder assez dense. Et il y a des très bonnes idées sur l'équilibre entre macro et micro. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, effectivement, j'ai hâte de voir ça tourner à grande, grande échelle. Et en plus, vraiment, le petit délire un peu, enfin, on va dire, les espèces de jeux de gestion un peu cyniques à l'anglaise, qui rappellent, bah, du coup, Startopia, ça me fait d'autant plus plaisir. Et c'est vrai que c'est beau comme tout. D'ailleurs, on remerciera, bah, déjà pour le design visuel, mais aussi pour les nombreux commentaires sur le chat et les réponses à notre communauté. Merci, Sir Karma, d'avoir été là. Pour rappel, hein, donc, français, francophone, qui bosse là-bas, au Canada, avec Brace Yourself Games, puisqu'on jouait, pour rappel, au City Builder des développeurs de Cadence of Hyrule. Merci Funky Gimli pour ton Twitch Prime. C'était le dernier live de la semaine. Nous, on va aller se reposer, se boire un petit coup, même si on le fait maintenant, malheureusement, à distance. Et on se retrouvera dimanche sur la chaîne du GK Live pour un nouveau blind test, un tous les deux semaines durant le confinement. Pour rappel, 150 morceaux de 14h à 19h. Vous venez et vous repartez comme vous voulez. Et peut-être qu'avant de partir boire un coup, je vais aller créer une news sur GK pour prévenir les gens quand même. Je vais t'envoyer des petits morceaux sales à mettre, yes, à mettre dimanche, tiens. Ouais, ouais, il me reste encore quelques slots à occuper sans trop de soucis. Et puis, bah, demain, évidemment, hein, l'émission Game Cult, où vous pourrez, après avoir dégusté le sel autour de Fallout 76, à l'écrit, le déguster en vidéo. Mais il y aura aussi d'autres jeux dont parleront mes collègues qui seront de meilleure facture. Et du coup, ça vous fera quand même des recommandations. Mais il y aura quand même du sel si vous aimez bien ça, si vous, voilà, si vous y voyez une certaine noblesse. Nodus, qu'est-ce que t'as prévu, toi, ce week-end? Écoute, je vais binger un truc sur Netflix et là je vais aller m'ouvrir une bière, si tu veux tout savoir. Ouais, moi je vais faire pareil. Le week-end va commencer par une bière. Je vais m'ouvrir aussi une petite bibine, ma foi. Voilà, c'est dit. On vous souhaite un excellent week-end et on vous donne, bah, peut-être rendez-vous dimanche sur la chaîne GK Live. Et puis, bah, sinon à lundi. Et à bientôt. Merci d'avoir été là. Ciao. Ciao. Attendez, j'avais une dernière question quand même, si vous êtes encore sur le live. Est-ce qu'on raid la chaîne de Virgil Razera en live pendant qu'il joue à Worms WMD? Allez. En plus, ça joue à Worms, alors on va se faire ce plaisir quand même. C'est parti!